Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur The Elder Scrolls Online. Donc, toujours la zone de Verdenfell, même si ça tend vers la fin. Donc aujourd'hui, je vais continuer, bien sûr, la quête secondaire sur Sadrit Morha. Donc je vous rappelle qu'a lieu l'événement de jubilé d'anniversaire 2024. Donc n'hésitez pas à récupérer le gâteau du jubilé qui... En consommant une part tous les jours, vous permet d'obtenir trois tickets d'événement. Donc c'est quelque chose à faire. Voilà, c'est tout simple à faire. Il faut juste manger du gâteau. Donc vous pouvez vous rendre par exemple à Auridia auprès du fils du chef d'Onolon. C'est Mog, il me semble. Qui s'appelle voilà, faire la quête pour pouvoir récupérer le gâteau. Voilà, et après ça vous permet de voilà, c'est encore voilà, c'est ça dure assez longtemps, donc il y a encore 12 jours avant la fin de cet événement. Allez, donc c'est parti. Même durant son sommeil.
J'en doute. Sa magie n'obéit pas aux mêmes règles que celle des Telvanni. Je crois que c'est la raison pour laquelle les magistères la haïssent. Je n'en suis pas sûre, mais je ne pense pas qu'Eoki connaisse un sortilège lui permettant de s'échapper de Sadrit Mora. De ce que j'ai compris, il veut bâtir une nouvelle tour là-bas. J'ignore pourquoi. Maîtresse Drata possède pratiquement la totalité de Vos, et je peux vous dire qu'elle n'aime pas trop les intrus. Si j'étais assez folle pour me mettre à dos l'un des magistères, ce serait n'importe qui, sauf Drata. J'ai juste besoin qu'il survive assez longtemps pour m'apporter son soutien. Sa tour n'avancera pas de si tôt. D'ailleurs, on raconte que Drata souffre d'une mystérieuse maladie. C'est peut-être Firut qui est derrière tout cela. On ne sait jamais avec les Telvanni. Allez, c'est parti. Je vais aller parler à... Allez, à Vos, ça me vient de... Salutations. Nous devons discuter rapidement. Les superviseurs s'inquiètent et se font soupçonneux. Tout à fait. Oteri m'a banni dans une de ses fermes pendant un certain temps. J'ai passé 30 jours enfermé et j'y ai entendu beaucoup de choses. Un fermier de Riosel, du nom de Baris Rendo, grommelait comme un crocodile malade. Sa femme parlait de Vos comme d'un trou perdu. Il serait prêt à vendre. Pourquoi cette question? Elle vous a donné de l'or? Je pensais que mon cœur avait amassé cet or pour acheter ma liberté. Elle a sans doute l'intention de faire fructifier et obtenir une plus belle somme. Je lui fais confiance même si je ne la comprends pas. Bonne chance, l'ami. Allez, et bien de retour à Vos. En fait, Sadrit Mora, c'est peut-être la faire un peu avant Vos. Si vous nous ramenez notre garçon, nous vendons.
Cetten a toujours aimé l'aventure. Il s'est probablement perdu dans cette ruine d'Edric et Sutanamus. Vous le trouverez à l'est d'ici. Elle s'appelle Esutanamus. Cetten s'intéressait beaucoup à l'histoire d'Edric. C'est une perte de temps, si vous voulez mon avis, mais j'admire son enthousiasme. Quelques jours avant sa disparition, nous avions discuté de ce sanctuaire. Apparemment, c'est un lieu où on vénère ce monstre, Molagbal. Je ne m'approche jamais de cet endroit. Nous avons déjà assez de soucis par ici. Entre les récoltes trop maigres, ces empotés de sorciers de Telvanie, ma femme qui me harcèle en permanence, je préfère éviter d'avoir affaire avec la maison des troubles. Merci, sérieux. Prenez garde que les trois vous protègent. Allez. Alors, ah oui, on n'y est pas trop allé vers là en fait. Des droites. Personne qui n'a pas des crocs et des ailes, voilà qui fait plaisir à voir. En personne, c'est Cetten Rendo, explorateur extraordinaire. Mes parents sont inquiets ? Oui, classique. Ma mère n'ose même pas me laisser passer le balai tout seul, encore moins explorer des ruines. Bon, j'ai tout de même un problème sur les bras. J'ai attiré l'attention de crépuscules ailés. Dès que j'essaie de m'échapper, elles me foncent dessus. Pas pour m'attaquer, non ? Elles se contentent de m'agripper doucement les cheveux et de me repousser vers les ruines en piaillant. J'ai l'impression qu'ils m'ont adopté. Une évasion audacieuse. Vous allez devoir les tuer alors. Dommage. D'un autre côté, je les ai vus déchiqueter un cendré qui passait dans le coin. Ce ne sera donc pas une grande perte. Je vais fuir en courant. Retrouvons-nous à l'ouest d'ici, près de Vos. Faites attention à vous. Ah!
collecté tout. Croyez-moi, je préférerais emballer notre récolte. Mais vous connaissez Mère. Elle ne me laisse pas un instant de répit. D'accord, j'ai juste besoin de respirer. Vous voilà. Pardon de vous surveiller. Je savais que vous aviez la situation en main, mais Nina m'a pratiquement mis dehors. Et m'a interdit de revenir sans Sétène. Je suis heureux de ne pas rentrer les mains vides. Attirer l'attention? Peu importe, je ne veux pas en savoir plus. Cet endroit me manquera, mais Vec sait que je ne suis pas un bon fermier. Je suis content de pouvoir vous remercier en personne. Votre partenaire, Mertis, m'a déjà réglé pour l'acte de propriété. Ce gaillard était plutôt convaincant. Il m'a alpagué juste avant que je parte trouver Sétain. Il n'était pas très bavard, il m'a juste payé une grosse somme d'argent avant de m'arracher l'acte des mains. Une fois la vente conclue, il a filé vers Vos. Vassal Mertis Autren, j'ai été ravi d'apprendre que vous aviez accepté mon contrat. Vous m'avez été vivement recommandé malgré votre handicap en matière occulte. Cette tâche nécessite de la discrétion et je le crains qu'elle cadresse au combat. Si on dit vrai à votre sujet, vous êtes fort capable dans les deux domaines. L'argonienne récemment promue, Soleil dans l'ombre, est bien trop ambitieuse pour son rang. Mes contacts affirment qu'elle projette d'acheter un terrain près de Vos pour le compte de Maître Firut, un de mes idiots de rivaux. La tâche est simple, rendez-vous à Vos et épiez l'associé de Soleil dans l'ombre. Une fois qu'il aura choisi un terrain, intervenez, emparez-vous de l'acte de propriété et hâtez-vous jusqu'à un lieu écarté. Utilisez alors le cristal d'appel 6 joints pour m'envoyer un signal. Je voyagerai jusqu'à votre position et vous me remettrez l'acte contre la seconde moitié de vos gages, bien que je préfère une acquisition
propre et sans violence, n'hésitez pas à user, voire à tuer si nécessaire. J'espère que ma confiance en vous n'est pas vaine. Souvenez-vous que vous servez la grande maison Telvanni, couvrez-la d'honneur et vous serez honoré. Signé J. Pas trop tôt. Convenable près de Vos. Jynrissa, intéressant. Cette sorcière cupide ne manque jamais une occasion de mettre des bâtons dans les roues de Firut. Écoutez-moi bien. Je veux que vous acquériez cet acte aussi vite que possible avant qu'elle ne révèle à tout le monde qu'elle a acheté un terrain près de Vos. Je vous conseille d'utiliser tous les moyens possibles. Vous pouvez commencer par fouiller le hall des adeptes de Tel Naga. Je vous préviens que la salle de l'adepte n'est pas ouverte aux étrangers. Vous devrez faire attention en cherchant l'acte pour ne pas éveiller les soupçons. Jynrissa nous a donné une chance de doubler nos gains. Si nous acquérons l'acte et l'humilions au passage, Firut épaulera certainement ma promotion. Exemplaire du Shimarvandium. Mais il y a la sorcière quand même.
cette maladroite de Ginrissa se montre plus fine que moi. Oh non, non, je ne peux pas le faire moi-même. Ce n'est ni subtil, ni poli qu'un tel Vanny demande directement un service. Je suis navrée de vous imposer cela, mais pourriez-vous donner l'acte à Maître Firut de ma part? Juste à côté d'ici, dans un endroit appelé Anude. Firut aime son intimité, donc attendez-vous à des atronacs et à des pièges. Et ne vous étonnez pas s'il est un peu excentrique. À votre retour, retrouvez-moi dans le hall du conseil. J'ai un bon pressentiment. J'en ai loupé un peu. Alors, c'est beaucoup plus loin. Ah bon? Nager, on ne l'avait jamais fait la nage. On est passé à travers les... C'est quoi cette histoire? Gérald de Crâne. Cela devrait faire l'affaire. Et maintenant, partez. Mes amis et moi avons des affaires urgentes à régler. Estimé conseiller, moi, maître Firut, intendant de Anude et des terres alentours, apporte par la présente mon soutien. Ah, et confirme la promotion de Soleil dans l'ombre au rang de serviteur de la grande maison de Telvanni. Cette argonienne appréhende nos rivalités amicales et intestines avec un degré de perspicacité que je ne pensais pas possible pour les membres de sa race. Elle mérite reconnaissance et respect. Elle servira bien la maison dans son nouveau rôle. Honneur et considération, Firut, maître de la grande maison de Telvanni, intendant de Anude. Allez, on est reparti. Bon, là, c'est pas des... C'est pas des quêtes où il y a beaucoup de combats. Hein. Yeah.
continuer vos études. Moterasu est très généreuse. Je vous remercie. Je reconnais cette allure fanfaronne, fille d'accès à le monde, n'est-ce pas? Excellent. J'ai croisé la conseillère Angara il y a quelques instants. Par hasard, bien sûr. Je lui ai parlé des possibilités d'avancement, mais elle s'est dérobée. Ce soutien arrive à point nommé. Bien, nous sommes deux. Je n'ai pris aucun plaisir à dépenser tout cet argent, mais en tant que serviteur, j'en ferai le double avant longtemps. À présent, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une recommandation à apporter. Merci encore, mon ami. Toujours, elle est affairée et pressée. Elle est toujours occupée ces jours-ci. Je crains qu'elle ne tutoie les flammes du soleil, sans savoir qu'il faut craindre leur brûlure. Mon cœur et moi avons à peine parlé. Elle s'use les écailles, nuit et jour, à lire et à préparer ses projets. Ses yeux sont braqués sur le grade suivant, et l'autre après. J'ai peur pour elle. Une âme sans repos devient-elle le crépuscule? Non, pas encore. Pour le mieux, j'imagine. Un poisson sans nageoire affaiblit le banc. Mais assez parlé de moi. Vous, mon ami, êtes une puissante nageuse. Allez la retrouver dans sa demeure de pierre. Si je connais bien mon cœur, elle aura certainement une tâche à vous confier. Est-ce que c'était ça? Je m'en rappelle non plus. Bonne surprise. Restez donc un instant avec moi. C'est toujours un plaisir de vous voir, Seba. Je suis heureuse que vous soyez venue. J'ai bien besoin d'une amie. Je viens d'être convoquée par le conseil. Normalement, cela devrait me remplir de joie, car je viens de demander un avancement au rang de vassal. Mais le conseil ne répond jamais aussi vite aux demandes. Quelqu'un est en train de fausser les règles du jeu, j'en suis sûre. Si un membre de la maison veut me tendre un piège, je dois projeter une impression de force. Les conseillers savent que vous m'avez aidé auparavant. Si vous vous présentez à ma place devant les héros, je serai sur un pied d'égalité avec les magistères. Cela pourrait même me sauver la vie. Merci, mon ami. Soyez prudente. Approchez, émissaire. Vous pouvez informer votre mandatrice, Soleil d'Ambourg,
que le Conseil a décidé de rejeter sa demande. Ajoutez que toutes les futures demandes recevront la même réponse. Les chats et les lézards n'ont rien à faire dans notre grande maison. Enfin, Alassa. Ne vous inquiétez pas, Alassa. Son émissaire remettra à Soleil dans l'ombre un récit complet de cette réunion, j'en suis convaincue. Il n'y a pas de plus grande vertu que l'ambition, mais j'ai peur que l'enthousiasme de Soleil dans l'ombre n'ait fait quelques mécontents. Ça semble pourtant évident, non? Votre ami est doté d'un esprit affûté et d'un grand talent naturel, mais même la grande maison Telmanie fait preuve de préjugés. Les circonstances de sa naissance compliquent son avancement. Oui. Ralassa déteste presque tout le monde, et en particulier Soleil dans l'ombre. Je ne sais pas si elle suit la volonté de Gotren, ou si c'est une vendetta personnelle. Ils ont tous les deux horreur des races inférieures. On peut dire qu'ils font bien la paire. Je lui conseillerais d'être patiente, mais je ne suis pas dupe. Soleil dans l'ombre ignorera de tels avis. Elle ne veut pas reporter ses rêves trop longtemps. Si je n'avais qu'un seul conseil à donner, ce serait celui-ci. Quoi qu'elle ait l'intention de faire, assurez-vous qu'elle fasse preuve de précaution. Soleil dans l'ombre se représentera devant nous. J'espère que ce sera pour une promotion et pas quelque chose de moins plaisant. Croyez-moi, ces réunions peuvent très mal se terminer. Honneur à vous et à votre maison, Serra. Adieu. C'est un peu compliqué. Désolée, j'en ai eu assez d'attendre. J'ai reçu plusieurs coups d'œil suspicieux en arrivant. Que s'est-il passé? Oh, je vois. J'ai sans doute fait preuve de trop d'impatience. J'ai fait ma demande trop tôt. Mince. Est-ce qu'ils ont fourni une raison? Est-ce que quelqu'un en particulier s'y est opposé? Voilà ça, évidemment. Cet Ragnar me déteste depuis le début. Gotren n'apprécie pas trop les Argoniens, mais pour elle, c'est une affaire personnelle. Pourriez-vous me servir à nouveau d'émissaire? Si vous alliez à Tel Arun parler directement à Gotren, il pourrait peut-être résoudre ce problème. Je vous dirai ce que je sais, bien sûr. La plupart des magistères Telvanni préfèrent rester seuls. Ils ne se font aucune confiance entre eux. Ce qui explique qu'ils choisissent des héros pour gérer leurs affaires en dehors de leur tour. Évidemment, les souhaits des magistères et ceux des héros s'empêtrent parfois. Le système n'est pas parfait. Croyez-moi, c'est mieux ainsi. Si les conseillers devaient traiter l'un avec l'autre directement, la paix ne régnerait pas à Vardenfell. Et il ne faut jamais mettre plusieurs alites ensemble dans le même enclos. Les mages ont besoin d'espace pour respirer. Je n'ai jamais dit que la maison Telvanni était parfaite. Il y a du bon et du mauvais. Lorsque je siégerai au conseil, j'arrangerai tout cela. Qu'en dites-vous? Oui, lorsque j'atteindrai le rang de vassal, je pourrai acheter un esclave. Je libérerai Eoki et nous pourrons boire à notre succès. C'est bien notre but depuis le départ, n'est-ce pas? Je sais que tout cela n'est pas très ragoûtant, mais c'est nécessaire. Un mage Telvanni n'a pas le temps de s'inquiéter. Tous les jours, j'apprends quelque chose de nouveau. Tous les jours, je découvre un mystère qui en recèle 10 de plus. Si c'est le prix à payer pour faire ce genre de découverte, pas de problème. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée, je... Peu importe. Le magistère Gotren règne sur Tel Arun, la tour fongique qui se dresse à l'ouest d'ici. Il a une réputation exécrable, mais c'est un des mages les plus puissants de tout Tamriel. Je n'ai jamais eu l'occasion de travailler pour lui, mais Eoki, oui. Il n'aime pas trop en parler. Je vous mentirais si je disais oui, mais vous êtes la mieux placée pour réussir. Gotren a quelques étudiants qui sont en fait ses serviteurs. Vous allez sans doute devoir en aborder un ou deux avant qu'il daigne vous parler. En tout cas, soyez prudente.
Ah, ça, c'est une des quêtes, du coup, c'est une partie des quêtes que j'avais pas fini. Telle Aaron est fermée. Alors dégagez-la. Avec mon personnage principal. Vous avez de la morve de Nyx dans les oreilles? Telle Aaron est fermée. Déguerpissez, sale show. Ah oui? Eh bien, j'ai besoin d'une boisson forte et d'une virée au champ. Mais je viens pas taper à la porte des gens pour autant. Le magistère Cotren ne reçoit pas de visiteurs. Ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Alors foutez le camp face de Guar. C'est quelques minutes de trop. Maintenant foutez le camp d'ici, sale tête de pioche. Je vous ai entendu vous disputer avec l'elfe vulgaire. Je peux vous aider. J'aime bien aider les autres. Peut-être pouvez-vous aussi aider Kizmar. Un peu de bonté ne serait pas de trop dans les terres Telvanni, pas vrai? Les genoux me font souffrir. Kizmar est trop vieux pour s'enfuir, mais une petite diversion permettrait aux autres Jakhajit de s'échapper de Tel Arun. J'ai laissé des caisses de riz de sel séché sur le quai. Ça prend bien feu, hein? Un petit brasier pourrait attirer l'attention du maître des esclaves et mes Jakhajit pourraient alors s'enfuir. Quand vous reviendrez, Kizmar demandera aux sales gardes de combattre l'incendie. Compris? Avec le nez cassé, je sens la fumée d'ici. Beau travail, marcheuse. Je vais crier, lever les bras et courir en cercle. Si Kizmar dit aux gardes que le maître des esclaves a besoin de leur aide, ils s'éparpilleront comme des scarabées sous une lanterne. Tout le monde a peur d'Arenim, même les gardes. Ah non! Tout ce que Kizmar a à faire, c'est de retirer sa chemise bleue pour en mettre une rouge. J'ai servi Gotren pendant de nombreuses années, mais les Dunmer ne savent toujours pas nous distinguer les uns des autres. Amusant, non? Puissent les lunes vous protéger dans la tour. Le maître déteste les surprises. Merci. Sérios! Un feu ravage les quais! Le maître Arenim crie des mots orduriers! Faites vite! Nous sommes de Mac. Allez en route!
Harith, Jirabel, j'en ai assez de vos excuses. Ralassa a clairement énoncé votre tâche. Trouvez ces voleurs. Pardon, Magister. Ce sera fait. Quoi que vous vouliez, parlez à mon assistant inquiet. Bonjour, désolé que vous ayez dû assister à ça. Le magistère Gautrain est tout à fait charmant lorsqu'on le connaît. Honnêtement, il n'aurait pas hurlé sans l'intervention du petit espion de Ralassa, le capitaine Jirabel. Ah, ça, navré, mais Ralassa tient absolument à empêcher votre argonienne de prendre du rang. C'est classique. C'est moi qui devrais être le héros. Ceci dit, ça me donne une idée. Les voleurs dont parlait Mutsera Gautrain se sont enfuis à Chashpilamat. Pourriez-vous récupérer les biens volés? Voilà une belle réponse de Telvanni. Si vous me rapportez les biens à Sadrit Mora, c'est moi qui m'attribuerai le mérite de leur retour. Ralassa a tout fait pour me discréditer et Mutsera le sait bien. Si je réussis, mon maître verra que je suis son meilleur serviteur. Mutsera Gautrain m'accordera certainement ma promotion au rang de héros. Ensuite, pour récompenser votre aide, je soutiendrai la demande de votre argonienne. Gagnant-gagnant, comme on dit. Qu'en êtes-vous? J'ai hâte de voir la tête de Ralassa lorsque Mutsera Gautrain lui retirera son titre. Je sens que ses suppliques seront délicieuses. Bien sûr. Que peut faire pour vous le futur héros de Mutsera Gautrain? Beaucoup de choses, malheureusement. Ils se sont emparés d'un ancien grimoire, d'un pendentif rare et une bourse remplie d'or. Évidemment, c'est surtout la perte de ses esclaves qui a désolé mon maître. C'étaient tous des ouvriers costauds. Mutsera Gautrain est très inquiet à leur sujet. Non, bien sûr, je ne voulais pas dire cela. En vérité, j'ai toujours été partisan des droits des bêtes, même si je ne le manifestais pas ouvertement. Si vous rapportez le grimoire, le pendentif et l'or, je pense que Mutsera Gautrain m'accordera tout de même cette promotion. Mais il aura le cœur brisé. Eh bien, je n'en suis pas sûr, mais il y a de bonnes chances que les esclaves disparus aient dérobé les biens de Mutsera Gautrain avant de s'enfuir de Tel Harun. Les corps de pêche et autres passeurs acceptent parfois des objets magiques en guise de paiement. Je ne peux pas dire. Mon maître est du genre bienveillant, mais il faut tout de même faire preuve de discipline envers ses enfants, pas vrai? Ce serait à la maîtresse des esclaves, Arénine, d'en décider. Malheureusement, elle est un peu irascible. Vous devez bien savoir à présent que les alliances Telvanni sont souvent très changeantes. Ce qui n'est pas le cas de notre relation, non. Notre marché est solide comme un roc. Les bulles de soleil dans l'ombre concordent avec les miens. Notre partenariat est une évidence. D'accord, c'est les mecs. C'est quand ça les arrange. Apportez ce rapport à la bouche Ralassa, immédiatement. Oui, capitaine, ce sera fait. Je vais vous donner un conseil. Si vous vous attirez les foudres de Ralassa Delvi, vous vous attirez celles du magistère Gautrain. Et croyez-moi, vous ne voulez pas les attirer. Capitaine Jirabel, médiateur attitré du héros Ralassa Delvi. Je vous ai remarqué là-haut. Le magistère Gautrain n'a que peu de patience pour les étrangers qui viennent le déranger. Et encore moins pour les assistants comme Harith Sendrul. J'espère pour vous, pour votre bien. Fort jolie tenture.
Je ne veux pas m'élever au-dessus de ma position. Non, je reste à l'abri parmi les obscurs, les oubliés. C'est là qu'on ne risque rien. D'accord. Alors, voyager jusqu'à... peut-être fait récemment, mais je ne me souviens plus une fois. Oula. Un petit délit reste un délit. Oh, purée. Alors... déjà, est-ce qu'on est verrouillé sur... C'est bon. Bon, on va aller jusque là-bas. De voyager à l'oratoire. Ah mais en plus, oui d'accord, donc je me retrouve à côté de... de la quête que je... j'ai cette quête là à faire. De que je vais faire, je pense. Changer mon... je vais faire ça. Je vais récupérer le... la route en fait. Voilà. Ouais. Alors, de retour à l'oratoire en fait, parce que je me suis pas mal trompé. Donc ça doit être un par là. Ah, je m'étais complètement trompé de route, c'est... ces fameuses ruines. Ah oui, là, il faut pas que je descende ici. Pas d'erreur. Donc là, je passe en fin de compte, voilà, voyez. Non, je vais d'abord faire cette quête. Que j'avais pris en passant. Alors comme je suis dans le secteur, je vais faire cette quête. Voilà, avec que m'a donné Ridena Devani. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bien sûr, ben voilà, prochaine vidéo, je continue. Je vais faire cette quête et puis après je continuerai la quête qui a un rapport avec Cédric Moura. Voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker,
à la commenter. Et bien sûr, ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la fin de cette zone de Vardenfeld. Allez, salut !